souper est prêt, messieurs, dames. Ou vice-versa. tu restes à souper avec nous autres, Patrick? Non, non, surtout pas. Je veux pas vous enlever le pain de la bouche. Pain qui va devenir des miettes si vous remontez pas les ventes des fleurs du crépuscule. Comprends donc, Patrick, je te dis, c'est pas de notre faute, banlieue, c'est la saison morte, là. C'est peut-être la saison morte, oui. Mais vous deux, vous êtes mieux de ressusciter avant Pâques si vous voulez pas être dans le carême pour le restant de l'année. Bon, on avait Tintin puis la Castafiore. Puis nous voulons rendre avec Tournesol. Comment ça va, le monde? Ah, nous, ça va très mal. Moi, ça va très bien. Je viens de voir une affaire extraordinaire à l'hôpital. Il y a un nouveau docteur là, qui fait des opérations par hypnotisme. Ça, ça va changer ma vie. Oui, on remarque. En quoi ça peut changer ta vie, ça dit peut-être. Arthur, tu veux baisser ton journal. Oui, tu veux baisser ton journal. Tu baisses ton journal. Et tu veux me donner 200 piastres. Oui, 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 tu veux. Ça va-tu, t'es nu de gloire? Docteur, s'il vous plaît, ça sera pas long. Juste le temps que vous leur disiez que c'est vrai, l'hypnotisme. Et Flybin, il n'y a personne d'arrivé. Oh, écoutez, garde, c'est mon jour de vacances, franchement. Oh, docteur, non, juste une minute. Ça fait deux semaines que toute ma famille rit de moi à cause que je crois à l'hypnotisme. Madame Leblanc, ce que pensent les gens, ça n'a pas d'importance. Oui, ça l'en a. Vous connaissez pas mon père, puis mon mari? Si ça continue, ils vont m'appeler la fée Carabosse jusqu'à la fin de mes jours. Vous exagérez, Madame Leblanc. Tiens, la fée Carabosse est arrivée avant nous autres. Alors, c'est normal, nous autres, on vole pas. Vous voyez comment ils sont, hein? Dites-leur que c'est vrai, les petits. Bien sûr que c'est vrai. Bon, puis que vous me donnez des cours depuis deux semaines. Bon, écoutez, je lui donne des cours depuis deux semaines. Ah, et que très bientôt, je vais devenir une très bonne hypnotiseuse. Non, ça, on verra, d'accord? En attendant, ce que je peux dire, c'est qu'elle apprend très vite et qu'elle peut aller très loin. Ouais, ça va dépendre de la grosseur de son balai. Voyez, hein? Voyez comment ils sont? Chacun a le droit à son opinion. Non, pas dans ma cabane à moi! Pardon. Et comment ça va, ma sorcière bien-aimée? Oh, non, docteur, j'en supplie, faites quelque chose. Garde, c'est mon jour de congé, vraiment. Docteur, vous savez sûrement que une garde malade dans un hôpital, ça peut faire pas mal de troubles, hein? D'accord. Papa, même Ségolène, Arthur? Oui? Le docteur Balumeur vient de se porter volontaire pour nous faire une démonstration d'hypnotisme. Oh. Place au talent. Oh, excusez-moi tout le monde, je sais que je suis en retard, mais inquiétez-vous pas, le souper va être prêt quand même. C'est qui ça? Ça, c'est une des mouettes qui suivent la fée Carabosse. Non, écoutez-le pas, docteur. Papa, as-tu, Mme Séguin, le docteur va nous faire une démonstration d'hypnotisme. Oh. Bravo! Je dois tout d'abord vous dire que si vous ne voulez pas être hypnotisé, aucun hypnotiseur ne peut vous hypnotiser. Ah! Puis, qui c'est qui se porte volontaire? C'est bien ce que je pensais. J'avais peur, hein? C'était d'or, j'avais peur! Hein, papa? Comment, papa? Bien penses-tu que j'ai peur? Moi, j'en ai peur de peine. Bon, d'autres, voilà, c'est parce que c'est Marie-Rose, elle avait absolument son hypnotisé. Venez, madame, venez.
Donnez-moi la main. Regardez-moi dans les yeux. Voilà. Vous vous sentez fatigué. Vous sentez un profond sommeil s'emparer de vous. Vous relaxez. Vous êtes las. Vous vous sentez extraordinairement bien. Si vous m'entendez, madame, faites un signe de la tête. Vous vous sentez encore mieux. Êtes-vous prête à faire tout ce que je vais vous demander de faire? Tout ce que je vous dirai de faire, vous le ferez. Maintenant, quand je claquerai mes doigts, vous chanterez « Au Canada ». Mais oui, mais quel sort de professeur que vous êtes? Écoutez, Madame Leblanc, je vous l'ai dit. Si quelqu'un ne veut pas se faire hypnotiser, je ne peux rien faire. Excusez-moi. Merci quand même. Chapeau, Alba. Chapeau. Mais je vous le dis que ça existe, c'est vrai, l'hypnotiste. Ça peut-être c'est vrai, ça peut-être. Le Père Noël aussi, c'est vrai. Bon, écoute, regardez bien beau tout ça, mais on devrait essayer de trouver le moyen de relever le magasin du fleur. Moi, inquiète pas, Mario, je l'ai trouvé le moyen. On n'a rien qu'à donner 15% d'escompte à tous nos clients, puis les fleurs vont se vendre demain. Au Canada, terre de nos aïeux, ton essence de fleurs glorieuses, ça tombera, c'est porté les pieds. Mais Sylvie, qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce qui se passe, Hermant? Laisse-moi réfléchir. Va-t'en avec, là-bas. C'est peut-être pas les paroles du deuxième couplet, Noël. C'est pas marqué, le docteur. Bonne humeur, essayez de vous hypnotiser. Sylvie, la garde à faire dans votre cuisine. Mais qu'est-ce que ça peut faire, ça? C'est simple. Vous, il vous a raté, mais il n'a pas raté Sylvie. J'ai vu nulle part. Hermance essaie de faire revenir Sylvie. Mama!
Mais bingo, bon Dieu, il a vu la patente. Allemand. Allemand, voyez, tu sors. Allemand. Allemand. Écoute, Allemand. Hey, ton père qui te parle. Allemand. Réveille-toi. Ah oui. Hey, réveille-toi. Ah oui, ah oui. C'est ça. Oui. Il se passe rien, mais il va s'en passer tout à l'heure, je te jure. Non, quel entier, là? Mais il y a eu, je crois, il y a eu 5 heures du matin. Bonsoir, papa. Non, Herman, c'est très important. Je le sais, mon sommeil, c'est très important. Bonsoir. Non, Herman, il est... Monsieur Potvin, auriez-vous l'obligeance de parler moins fort parce que j'arrive pas à me réveiller? Papa, voulez-vous bien me dire qu'est-ce qu'il y a de si important pour régler ça en pleine nuit? Attends une seconde. Attends, donne-moi juste une seconde. Je voulais pas dire réveiller, je voulais dire dormir. Bon, qu'est-ce que tu voulais, toi? Non, c'est moi, excuse-moi. Non, je voulais te dire toute mon admiration. Je voulais te féliciter pour tes talents d'hypnotiseur. Puis c'est pour me dire ça que vous m'avez réveillé en pleine nuit? Absolument. Bonsoir, papa. Non, je voulais te dire combien tu m'as impressionné. C'est extraordinaire. Surtout quand t'es genre tout déshypnotisé, là. Une chance que j'avais mon livre, hein. Comment la chance? Il y a de la chance, rien à voir là-dedans. C'est tout ton talent qui a fait tout ça. Oh, papa, chariez pas. Mais chariez pas, je te le dis, c'est ton immense talent qui va rejaillir sur toute la famille. Qu'est-ce que vous avez en arrière de la tête, là, vous, là? J'ai en arrière de la tête, j'ai bien des problèmes en arrière de la tête, vois-tu. C'est que le magasin de l'heure, ça marche pas fort, ça. Puis même, on risque de le perdre si jamais Patrick se choque. À quoi ça me concerne, ça, moi? Ça te concerne pas, pas tout. Ben, bonsoir. Non, ça te concerne pas! Mais si j'arrivais, moi, à trouver un moyen pour que les gens achètent plus de fleurs, je n'aurais plus de problème. Tu comprends? Ben non, c'est sûr. Alors, t'as pas une petite idée, toi, t'as pas un moyen, tu sais, que je sais pas, que les gens achètent plus de fleurs à notre magasin. Ben, c'est moi réfléchir, là. Vas-y, on est debout, vas-y, là. Non, papa, non! Avant de dire non, dis-le à ton idée. Hein? Papa, j'utiliserai pas mes talents d'hypnotiseuse pour faire acheter plus de fleurs à vos clients. Non. Comment? Ça se fait-tu, ça? Dis-moi pas vraiment, est-ce que tu seras capable de faire acheter plus de fleurs au monde par hypnotiste, là? Papa! Faites de quoi, cette heure-là, vous autres? Tu m'as marié, là, on vient de manquer notre surprise, là. Quelle surprise? C'est que... Avant, c'est moi, on est pas capable de dormir parce que on a pensé combien... Tu travailles trop, ça n'a pas de bon sens. À ton âge, je vois ça. Mais je suis plus jeune que toi. Oui, t'es plus jeune que moi, mais tu travailles bien plus que moi, voilà. C'est toi qui fais tout au magasin. Ah, ça, c'est vrai. Ah oui, alors moi, j'ai pensé... C'est pas Hermance à penser. Hermance a dit peut-être que ça y ferait du bien, une journée de congé, puis même à cette offerte. Pour te remplacer aujourd'hui au moins. Oh, mon Dieu, Armand, ce que vous êtes gentil! T'es gentil, mais pas plus que moi. Juste gentil comme il faut. Alors, va te reposer, t'en as besoin. Okay? Oh, oui. Merci, Armand, vous êtes un amour! Bonne nuit, hein, bonne nuit. Bonne nuit, là. On se sent-tu bien quand on fait une bonne action? Papa, j'hypnotiserai pas vos clients. Non. 5%? Yes. 15. C'est bien de lâcher, bon Dieu, parce qu'avec sa façon de compter, elle va se réveiller avec le magasin, elle, seul au grand. Ça va être la clandestine! Papa, vous êtes sûr que c'est pas volé, ça? Mais non, on considère ça comme une bonne œuvre pour l'ange d'or. Quel ange d'or? Le mien, puis celui de Marie-Rose. Ah, tu t'es venu à Patrick, là? Oui, c'est fait. Ah,
Je me sens comme Moïse. Hein? Ah, la manne est à la veille de tomber. Je demande la voyez, voyez, par les pots. Laisse-moi là, par les pots, on fait de l'argent. Après donc? Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben, vous pouvez toujours nous montrer un petit bouquet de fleurs. Un petit bouquet, mais certainement. Bon, c'est par là, mon assistant va s'occuper de vous. Voici, voici. Comme ça, vous voulez un tout petit bouquet de fleurs? Oui. Oui. Non. Vous savez, monsieur, dame, que c'est pas parce qu'un bouquet est petit qu'il faut le choisir à la légère. Voyons, regardez pas ailleurs, monsieur, regardez-moi. Donc, vous avez bien la crispée, vous. Ah, le stress, qu'est-ce que vous voulez, hein? Ah, ben oui, mais les fleurs, ça se choisit dans la détente. Ouais. Détendez-vous, monsieur. Détendez-vous, madame. Détendez-vous. Fermez les yeux. Regardez à l'intérieur de vous. La fleur avec un grand F qui convient le mieux à votre couple. Détendez-vous, détendez-vous. Donnez-moi la main. Ensemble, nous trouverons la fleur qui est vous. M'entendez-vous? Vous aimez les fleurs, vous êtes fous des fleurs. Vous voulez acheter toutes les fleurs. Quand je claquerai des doigts, vous achèterez tout ce que vous voudrez. M'entendez-vous? Je peux prendre celle-là. Moi, je prends celle-ci. Le bouquet de roses, c'est pour moi. Dites ça, mon Patrick. Allez-y, là, Miracles. Ah oui, j'ai ma spécialité, moi, ça, les miracles. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit bonus? Si tu veux que je continue à faire des miracles, tu sais? Oh oui, avec plaisir. Non, mais encore un peu, hein? Oui. Même pas un petit peu, un gros peu, même bien des peu. Puis moi. Oui, un petit bonus pour vraiment. Hein? Des plantes. Il y en a dans l'arrière-magasin, là-bas, c'est plus Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ce serait pour des fleurs. Ah, je ne sais même pas s'il en reste à part comme des petits pains chauds. Mon assistante va s'occuper de vous. Mais pensez-vous qu'on va pouvoir trouver qu'est-ce qu'on veut? Ben, madame, détendez-vous. Vous avez l'air toute stressée. Regardez les fleurs. Oh Dieu, Sylvie, vous avez bien l'air fatiguée. Oh oui. C'est M. Potvin et Mme Leblanc là, qui m'ont réveillée à 5 heures du matin. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, ces deux-là. Là, mais ils parlaient d'inoptisme, là, puis de vente de fleurs. Et les deux, là, tout mélangé. Oh. C'est épouvantable, il y a des fleurs! Feu des fleurs! Feu des fleurs! Oh, tiens! Prends ce pot-là, le petit bleu, là! Regardez comme il est beau! En train de démolir le magasin. C'est vrai que là-bas, il y a la manière à la normale. Oui, 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 tu fais pas Ben oui, je le sais bien, je le sais. Je commencerai plus, je vous le jure. C'était ça fait 5 fois que vous dites ça, là. Moi, je trouve que vous jouriez. Monsieur Potvin, on joue pas avec l'hypnotisme.
Il n'y a que les gens compétents qui peuvent toucher à ça. OK, correct, choquez-vous pas. Mais Hector, se faire hypnotiser, c'est très sérieux. Oh, je te dis qu'Alma, ça t'a fait partir sérieusement. Tu t'es pas vu, toi, sur le sofa. Puis lui, là, dans le compte de porte. Oh, tu penses intelligent. T'aurais pas eu l'air plus fin que nous autres si tu t'étais fait hypnotiser. Ben, ben, justement, c'est ça l'histoire. C'est que moi, je ne l'étais pas hypnotisé. Pourquoi? Parce que mon cerveau est trop fort. Oh. Monsieur, pas de vin. Bon, ça y est, il va me battre. Mon cher monsieur Potvin. J'ai pas d'homme de me tuer, vieux, moi, OK? N'ayez pas peur. Oui? Je vous ferai pas mal. Mais, mais. N'ayez pas peur. Détendez-vous. Je suis un médecin. Oui? Pas un boxeur. Détendez-vous, vous êtes toutes crispées, là. De partout, là. Détendez-vous. Attendez un peu, là. C'est que tout le monde a été remboursé, ça veut dire ça, hein? Oui, ben oui, tout est bien qui finit bien, hein? Ça fait que relaxer, là. Relaxer, c'est pas la fin du monde. Vous avez toutes les muscles pognées dans un paquet, là. Détendez-vous. Regardez-moi. Regardez-moi. Vous êtes endormi. Maintenant, vous vous sentez bien, monsieur Potvin. Vous vous sentez très bien. Vous êtes un homme de la terre. Vous adorez la campagne, les animaux. Vous aimez tellement les animaux que vous voulez en devenir un. Un petit chien. Quand je claquerai des doigts, vous deviendrez un tout petit chien. Quoi?